Aujourd'hui, Angelo a laissé une potion à Diabolofit 35 lui permettant de vivre la vie de Chase pendant 24 heures. Il commencera sa vie en Chase bébé, il va ensuite grandir pour devenir adulte, puis il va devenir Chase préhistorique, il va encore plus vieillir et devenir Chase âgé, enfin il mourra. Tout au long de sa vie, Diabolofit 35 en Chase aura des pouvoirs spéciaux, tout ça dans un nouveau jeu dans lequel il doit défendre sa villa contre des armées de monstres. Les abonnés, aujourd'hui je vais vivre la vie de Chase de la Pâte Patrouille pendant 24 heures. Les amis, c'est Momo. C'est Momo aujourd'hui. Non, ça va être Chase aujourd'hui. Donc voilà, Angelo m'a laissé une petite potion pour me permettre de vivre la vie de Chase de la Pâte Patrouille pendant 24 heures. La potion, elle était censée être dans ce coffre. Qui l'a volée? Ou bah, je t'ai vu la voler tout à l'heure. Allez, redonne-la-moi. Redonne-moi la potion. Ok, merci pour la potion. Voilà, du coup, j'ai la potion qui va me permettre de vivre la vie de Chase pendant 24 heures. Apparemment, avec cette potion, pas besoin d'incantation. Du coup, j'ai juste apparemment à la boire et ça va me transformer eh bien en Chase. Alors évidemment, je serai d'abord Chase bébé, puis ensuite adulte, ensuite voilà, version préhistorique et enfin je vais vieillir et mourir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une nouvelle vidéo jeu avec la famille Diabolofit 35. Donc déjà, en tant que Chase, j'aurai plein de pouvoirs différents en fonction de chaque étape de la vie. Chase. Ouais, en fonction de Chase, ouais, si tu veux, Booba. Chase d'eau. Wouah. Chaud pas drôle. Bref, du coup, je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir un petit peu tous les différentes, enfin toutes les différentes étapes de la vie de Chase. Et tu dis c'est pas drôle, mais pourquoi t'as rigolé hein? Parce que c'est tellement nul que du coup voilà, tu vois. J'en sais rien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ou pas? Et oui, je voulais dire un truc, c'est que Cardi elle a des petites fesses. Waouh, ouais, oh, ok. What the fuck. Bref, du coup, je disais que voilà, on va découvrir chaque étape de la vie de Chase et tous les pouvoirs que ça implique. Et tout ça durant un nouveau jeu dans lequel, eh bien, un petit peu comme dans Call of Duty, vous savez, le mode zombie, on va devoir résister à des vagues de monstres. Et du coup, j'ai hâte de voir si en Chase, on va pouvoir résister à toutes ces vagues de monstres. Parce que Chase, voilà, c'est pas non plus le personnage le plus puissant qu'il existe. Donc, on aura d'abord des vagues de zombies, etc. Des vagues de creepers, même, vous allez voir, ça va être incroyable. Donc, bref, sans plus attendre, c'est parti. D'ailleurs, abonnez-vous, voilà, pour rendre hommage à Monsieur Tukunza, enfin, qui a disparu simplement dans la dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, voilà, c'était celle du cinéma, on allait voir la Pâte Patrouille au cinéma, enfin, dans notre propre cinéma. Et bien, Monsieur YouTube a disparu, donc pour lui rendre hommage, et aussi pour ne rien louper des prochaines vidéos de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche notification, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup à vous, on atteint bientôt les 1 million d'abonnés, c'est incroyable, j'aurais jamais espéré atteindre ça un jour. Mais pour l'instant, voilà, rien n'est fait, donc abonnez-vous en masse pour m'aider à atteindre ce rêve. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Booba? Non, mais après, je sais pas si je peux le dire. Vas-y, ouais, vas-y, dis, bah ouais. Attends, on doit aussi. C'est qui fait les. Eh, c'est qui le gamin? Bon, eh, hey, ouais. Arrête de faire le gamin là, tu m'enlèves ça là. Eh, ça me fait rire. Tu voulais dire quoi, Booba, du coup? Attends, moi, je toi. Vas-y, 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 dis-moi. Dis-moi ce que tu voulais dire, Booba. Eh, hey, bon, Booba nous dira ce qu'il a à dire après. Ce qui fait que du coup, vas-y, moi je vais boire la petite potion, les abonnés, et il je vais retrouve. Il attend d'un pourrir. Il le dira. Il le dira du coup une fois que je serai transformé. Wow, ok, j'ai bu la potion. Alors, ok, les abonnés, je commence à avoir la tête qui tourne. Wow, ok, what the fuck? C'est bon. Je suis Chase, bébé. C'est énorme. Vous me voyez en Chase là, c'est bon? Tout le monde me... Ouais, c'est bon. Ok, c'est énorme. Ouais, je suis tout petit. Et franchement, va laver ton poil, hein, ça pue. Hein. Wow, t'es sérieux? Et pour moi, du coup, tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Je le dis pas. Vas-y, dis, s'il te plaît. Non, tu t'es moqué. Ouais, non, je vais pas moquer. Hey, ok, on peut faire un truc alors, vas-y. Ok, on fait un truc, Booba. Non, on voulait faire un petit jeu avec tes abonnés. Vas-y, dis. T'as dit que tout à l'heure, il y avait un hommage aussi à Monsieur YouTube. Ouais. Et bah là, il y a un hommage aussi à faire à un acteur. C'est qui? Il faut qu'il trouve. Okay. Ah, bah c'est Monsieur... Attends, what? Ah, ok, il oui, faut qu'il trouve un commentaire. Un acteur. Ok. Dans la vraie vie. Ok, un acteur dans la vraie vie. Ok, je vois de qui tu parles. Ok, je laisse deviner en commentaire. Bah en vrai, est-ce qu'on fait vraiment un jeu autour de ça? Je sais pas si c'est vraiment très drôle. En tout cas, hommage drôle, à Jean-Paul Belmondo, voilà, qui était un magnifique acteur. Si on va leur dire. Mais vas-y, trouve quelque chose d'autre à dire. Et à 10 000 pouces bleus, tu le diras dans la prochaine vidéo, ok? Ok.
qui? Parce que voilà, nous on fait des petites vidéos voilà pour rigoler, etc. en tant qu'acteur, mais lui c'était vraiment un acteur, un vrai, de vrai, et c'était un excellent acteur, ouais. Donc rendons-lui hommage. Bref, bon. Ok, bon, c'est limite ouais. Tout ça. On va tout de suite enchaîner sur le jeu, sur la première vague de zombies, parce que là ça part en vrille. Je sens que ça va partir allez, en live. Donc allez, let's go pour la première, tout simplement, pour la première vague de zombies, on va attendre. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir trop de pouvoir, à part que je suis petit. Imaginez, ça se trouve, en fait, pour l'instant, j'ai pas de pouvoir en tant que Chase bébé, je sais pas. C'est bizarre. On va attendre un peu que la histoire, parce que parfois, les pouvoirs viennent un petit peu de temps à arriver. Mettre un petit peu de temps à arriver, donc peut-être que je vais avoir un pouvoir, on va voir ça de suite. Donc voilà, à tout de suite les abonnés quand la première vague de zombies arrive. Du coup, voilà, let's go, on va attendre un petit peu. Les abonnés, je vous reprends, non pas parce que les zombies sont là, alors pendant l'instant je sais pas vraiment, ça se trouve ils sont là en vrai de vrai. Ils sont là. Ok, ok, top, parce que là j'allais dire aux abonnés justement que oui, c'est bon, j'ai un pouvoir. Regardez, je cours un petit peu plus vite, et surtout regardez ce que j'ai trouvé, et eh bien dans mon petit meuble, j'ai trouvé un gun, des munitions, 6 pommes d'or et des steaks. Du coup voilà, c'est un petit peu l'équipement correct. Alors Chase bébé, voilà. Peut-être que voilà, quand je serai Chase adulte, j'aurai un fusil, etc. On ira ouvrir du coup à chaque fois mon bureau. Mais du coup, ça veut dire que là, les zombies sont là. Apparemment, on va descendre. Let's go. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de zombies? Il y en a qu'un pour l'instant. Il y en a qu'un. Ok, ok. Ok, c'est parti. Wow, il y en a qui ont des armes cheatées. Hein. C'est qui a une arme? Ah, mais. Jérôme, c'est trop cheaté ton machine gun là, ton minigun. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ok, faut que je fasse attention. Heureusement qu'il y a Jérôme, remarque qu'il y a son machine gun. Ok, c'est la guerre totale. Wouah, tout ce qu'il y a. Wouah, alors là vraiment il y en a beaucoup. Ok, j'essaie de c'est la biche. Ok, j'en ai tué vas-y, un. On va se faire de la nourriture. Ok, heureusement que Jérôme a son minigun, parce que là sinon ça va être compliqué. Ok, donc là, première vague. Il y a des zombies qui sont arrivés. Il y a des zombies qui sont à la porte ici. Ok, moi je suis au balcon. Les abonnés, je me fais attaquer par des mini zombies. Défendez-moi. Ok, ah, il y a des mini zombies qui m'attaquent. Ah non. Je vais mourir, non, je peux pas mourir comme ça. J'ai fermé la porte. Ouais. Ils sont à la porte. Ok, c'est bon. Ils sont à la porte, je mange une petite pomme d'or. Ok, c'était chaud pour moi là cette fois-ci. Ok, let's go. Je recharge mon arme. Ok, il y en a plein là-bas. Ok, je tire par là. Est-ce que je peux tirer? Oui, c'est bon, je peux tirer dedans. Ok, bien joué. Ok, c'est un massacre au minigun. Ok. Let's go. Hey, il y en avait beaucoup des zombies pour cette première vague, hein. C'est une vague vénère, hein. Il y a des zombies, ils s'attaquent pas. Ok, let's go. Hop, je vais retirer dedans. Tac. Alors, faut faire attention aux mini zombies, c'est eux les plus dangereux. J'ai chopé. Oh là 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 là, attention. Eh, hey, stoppez les tirs. On va récolter toute l'XP. Mais il y a plein. Wouah. Mais attendez, mais c'est quoi cette vague de zombies? C'est pas possible. Mais il y en a tellement. Il y en a beaucoup trop, hein. Il y en a beaucoup trop. Heureusement qu'il y a les miniguns. Heureusement qu'il y a les miniguns, les abonnés. Parce que sinon, ça va être très très chaud. Ok, on bute tout. Vas-y, je vais tout péter avec une grenade. Ok, il va falloir. Une grenade, t'es sûr? Non. Vas-y, file-moi la grenade. Je l'envoie. C'est pas grave si on pète un peu la maison. Vas-y. Envoie-la. T'es où? Je suis sur le balcon là-haut. Non, c'est mort. C'est moi qui paye après. Je suis sur la. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, Bouba, viens. Je suis sur le balcon. Viens sur le balcon. Là-haut sur le balcon. C'est où? Là, les petits jardins. Dépêche-toi s'il te plaît. Je sais pas où t'es. Mais attends, sur le balcon. Sur le balcon. Mais sur le balcon, c'est pas possible. T'es là? Mais je suis sur le balcon. Mais c'est pas possible. Mais non. Je vais louper la grenade. Mais je suis sur le balcon. Mais non, mais sur quel balcon t'es toi? Non mais c'est pas possible. Non mais, hey, mais tu connais pas la maison ou quoi? Je vais mourir. Il faut que j'en monte tout le temps. Ok. Je vais On n'a pas réussi du tout avec à cause de Booba. Je suis là. C'est pas à cause de moi, wesh. Bon, je suis dans la chambre de Monsieur YouTube. Mais je connais pas la maison. Je suis là. Vas-y, file la grenade. Tiens. Vas-y, carré. Ok, première grenade, les abonnés. On va balancer une grenade. Ah, Jérôme. Non. J'ai fait le total. Mais oui, vas-y, redonne-en une. Tiens, j'en ai qu'une seule après. Ok, vas-y, file là. C'est bon. Ok, là, il faut pas que je la loupe. Il reste beaucoup ou pas des zombies encore? Oui, à l'entrée. Ok, à l'entrée. Ok, il y en a ici. Je vais buter celui-là. Ok, c'est bon, j'ai eu celui-là. C'est bon. Ok, c'est chaud. Attends, c'est chaud. Vas-y, moi aussi, j'en ai une. Wow, mais cette vague, elle est vraiment beaucoup trop énorme. Hein. C'est abusé la vague, comment elle est énorme. Okay, vas-y, j'ai chuté. Il va falloir. Ok. Ok, je pense que là, je vais en avoir pas mal. Est-ce que ça a explosé? Oh, ça a explosé. Ok, on va voir ce que ça a donné. C'est bon. Et la maison elle a dû prendre cher encore. Mais non, mais il y en a tellement beaucoup trop, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Wouah. C'est qui fait des explosions comme ça? Des gigas explosions. Oh, c'est la maison qui s'effondre tellement il y a de zombies, je pense. Ouais, là vraiment il y a trop de zombies en fait. C'est genre vraiment tout s'effondre, c'est hardcore. Wouah. Mais c'est abusé. Mais c'est quoi cette première vague ça? Eh, le jeu il a bugué, je crois. C'est pas possible. Le jeu il a complètement bugué. Normalement il était pas censé avoir une aussi grosse vague, hein. C'est du grand nimp.
Waouh, mais regardez ce qu'il y a encore. Mais c'est quoi tous ces zombies? Mais c'est pas possible. Mais la maison elle est full détruite en plus. Mais c'est quoi ce délire? Oh là 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 là. Heureusement que c'est un jeu de la famille Diablo 35. Mais en fait là le jeu c'est quoi? C'est de terminer tous les zombies. Mais non mais c'est du grand grand nimp hein. Vas-y. Eh au pire ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il fasse jour. Le problème c'est que... Oh attendez, je commence à me sentir étrange. Je commence à me sentir étrange les abonnés. Oh 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 oh. Les abonnés, je crois que je me suis évanoui pendant ma transformation, c'est hardcore. Je vais me relever, ok ok. Wow, je suis chez les adultes. Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup de zombies? Il y a encore beaucoup de zombies parce que je crois que vraiment ça... Il y a eu un problème tout à l'heure, hein. Il y a eu un problème, hein. Mais non, mais, là, putain, mais la maison, mais elle ressemble plus à rien. Hein. Elle ressemble plus à rien du tout, la maison. Il y a eu un petit bug dans le jeu, je crois. Du coup, on va devoir attendre les prochaines vagues. Il faut terminer les derniers zombies qui sont là. Faut terminer les derniers zombies qui sont là. On va les terminer avec eux. On va s'en occuper. Eh, mais attendez, dans mon coffre, je dois avoir des meilleures armes. Eh, mais attendez, ma maison, attends, elle est encore là, même ma chambre. On va aller checker ça vite fait. Les abonnés, du coup, je suis remonté à ma chambre pour voir si voilà, j'avais du coup des nouvelles armes. Alors, ils ont réussi à terminer tous les zombies. Et tous les zombies, Diabolo. T'as dit quoi? On a tué tous les zombies. Ouais, c'est je bon. Sais, j'ai vu ça. Mais bon, vraiment, c'était, je pense qu'il y a eu un petit problème dans le jeu. Hein. Il y a eu vraiment un petit problème dans le jeu. Alors, par contre, j'ai pas de bloc. Il va falloir que je fasse un. Hommage à Jérôme, okay, bon, il est mort ce soir. Jérôme est mort? Non. Oui. Jérôme est vraiment mort? Oui, mais t'inquiète. Ah, ouais, je crois, on le retrouve pas là. Waouh. Ok, bon, bah, il est mort dans le jeu. Bon, bah, yes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir. Il va y avoir du coup des nouvelles vagues qui vont arriver. Alors du coup, bon là j'ai du coup, bah attends, regardez, j'ai pas eu du coup, vu que vous étiez en train de me dire que Jérôme était mort, j'ai pas eu le temps de réagir sur la nouvelle arme que j'ai. Mais du coup j'ai un AK, donc voilà, ça c'est cool. Donc là maintenant plus qu'à attendre la prochaine vague de monstres. J'espère qu'elle sera pas aussi vénère que celle de zombies, que ce sera pas autant buggé, parce que sinon ça veut dire un peu du gros. Regardez l'état de la villa. Et toute la villa là. Ouais, là c'est vraiment du très grand enfin. Le sol est s'effondré. Ouais bon, bah, on a plus qu'à attendre la prochaine vague. On attend la prochaine vague et on vous reprend une fois que la prochaine vague est arrivée. Donc voilà, let's go. On attend la prochaine vague, les abonnés. C'est parti, on attend, on attend. Les abonnés, je vous reprends puisque voilà, c'est bon, nous avons une nouvelle vague. Alors voilà, là c'est moins buggé, ça me plaît. C'est une vague de creepers. Ok, bon, les creepers, en vrai de vrai, ça va être assez facile. Creeper. Je pense. Les creepers, ça va être assez facile. Faut faire. Creeper, t'as peur. C'est... on avait jamais fait celle-ci. Ok, let's go, je recharge. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vas-y, c'est nul. Ok, ok. Je vais les faire péter. Ok, ok, let's go. Tu vas le faire péter? Mais attends, regarde. On peut le faire péter, hein. Si, ah. Wow, wow, attends. Je vais le faire. Pourquoi il a pas pété? Oui, ça fait rien. Ouais, ça fait rien quand il pète. Bizarre. Wow. Mais regarde, on les one shot. C'est quoi ces creepers un peu pourris? Eh, mais attends, mais décidément, ce jeu, il est full buggé, hein. Ce jeu, il est full buggé. Ok, il commence à faire jour. Petit à petit, il commence à faire jour. Ça veut dire que je vais peut-être pas tarder à changer d'aspect physique, de changer dans ma vie un petit peu. Ok, je vais peut-être devenir, eh bien, la version préhistorique. Et en plus, il fera jour. Alors, du coup, je pense que la prochaine vague, eh bien, normalement, d'après ce que je sais du jeu, ça devrait être des blazes. Donc, ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte. Et j'ai aussi hâte de voir les armes que je vais avoir. Du coup, let's go. On va attendre. Ok, ok, les abonnés, je commence à me sentir un petit peu bizarre. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Je crois que je suis transformé, oui. Je suis Chase préhistorique. Ah ouais, là sans moi. Oh, je vais tellement vite. Wow. Tellement stylé, regardez à quel point je suis puissant. Le nombre de cœurs que j'ai et tout. Bon, en vrai, c'est pas du tout le monstre préhistorique le plus puissant qu'on ait vu. Mais quand même, ça pèse. Et il suffirait d'aller voir dans ma chambre. Bon, ma chambre, ouais, elle est un peu inaccessible. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Mais il faut que j'aille voir dans ma chambre. Waouh, par contre, pour aller dans ma chambre, dans ta chambre, c'est une galère. Il faut que je passe par les escaliers. Il y a plus de chambre. Il faut que je remonte là-haut. D'ailleurs, je suis monté par. Attends, je te pousse. Attends, je vais essayer d'y aller par là. Hop, je vais voir si c'est possible. Sinon, si c'est pas possible, tant pis. On va checker, ok, il n'y a plus l'escalier en fait, il n'y a plus rien. Mais comment, mais what, ah si, ok, on peut passer par là. Ok, let's go, on attend la prochaine vague, ok. Ok, attendez, ici, on a juste à choper du coup, alors, l'escalier. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Let's go, ok, j'ai réussi. Et on va du coup pouvoir découvrir, non, j'ai trop le seum. Wouah, bon vas-y, on se retrouve directement en haut les abonnés. C'est bon les abonnés, je suis à ma chambre, on va découvrir un petit peu ce que j'ai. Wouah, le minigun, des golden apple cheat, des 32 golden apple. Diabolo, Diabolo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Diabolo, ça commence, ils sont là. Quoi? Il y a une nouvelle vague? C'est une vague de quoi? Il y a une nouvelle vague. Attends, mais Jérôme, t'as réussi à revenir? Mais je croyais que t'étais mort. Bah, what? Attends, t'es là, mais t'étais mort, mais on t'est passé partout. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Il était passé où, je sais pas. Je crois qu'il a respawn après une manche comme ça. Ok, wouah. Oh là là. Oh, ça va être le bazar là. Ça va être le bazar. Ok, c'est parti. Ok, ok. J'ai rien à craindre. Oh, c'est chaud un peu. C'est chaud un peu. Ok, ok. Il faut que je fasse attention quand même.
putain de prendre cher. Ok, let's go. Bon, voilà, ça va être assez facile. Ok, et Tiens, 1 et 2. Attendez, ok. Oh, c'est assez long quand même. C'est assez long pour les buter. C'est assez long pour les buter. Ok, 2, 3, 2, 4. Ok, il va falloir que je recharge. Est-ce que je vais avoir assez de munitions? Ça, je sais pas. Est-ce que je vais avoir assez de munitions? Je sais pas du tout. Ok, let's go. C'est parti. Diabolo. Ok, c'est bon. Il y a moyen que ce soit la dernière vague, je sais pas en vrai. Non, je pense qu'il va y avoir une autre vague en vrai derrière. Il va y avoir une autre grosse vague à mon avis. Ok, Diabolo, let's go. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Booba? Ce qui est jaune et qui va bientôt mourir. Booba? Oui. Non. Booba meurt pas. T'inquiète, frère, le boss. Je meurs. Okay, et moi, là, bon. Je suis en galère là. Moi, je suis une tourelle là, je suis une tourelle auto. Let's go. Let's go. Ok. Oh, mais en vrai, on est en train de bien les avoir là quand même. Hein. On peut bien les ratiboiser. Il y en a plus, je crois. Hein. Non, je crois que c'est bon, il a tous eu. Non, il en reste deux là. Il en reste. Oh, non, il reste. Il y en a qui sont tombés ici. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Oh, il y en a, oh, il y en a pas mal ici. Mais pas... Non, t'es pas... tu vas mourir. Non, ça va, t'es pas mort. Ok, nice, nice, nice. Ok, bon, franchement, la version préhistorique, c'est cheaté hein, avec le minigun, ça, le nombre de cœurs que j'avais. Franchement, très cheaté. Attends, t'es mort? T'es mort, Jérôme? Non, il est mort? C'est moi qui l'ai tué. Non, mais non. Mais attendez, il meurt, il revient, il meurt, il revient. Il va respawn ou quoi? T'inquiète. Je sais pas ce qui se passe, je comprends rien. Et le jeu, il est full bug, les abonnés de A à Z. Bon, en tout cas, c'est normal, c'est un tout nouveau jeu, les abonnés. Alors, dites-moi, est-ce que vous kiffez ce nouveau jeu? Voilà, dites-moi en commentaire si vous kiffez ce nouveau jeu. Est-ce que vous voudriez qu'on refasse ce nouveau jeu pour la prochaine fois? Ou alors qu'on reprenne le jeu à l'ancienne qu'on faisait avec les vies de monstres? Attendez, les abonnés, je me sens un petit peu étrange, les abonnés. Attendez, attendez, je me sens un peu étrange. Attends, je suis. Wow, 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 je sens que je suis transformé, oui! Je suis Chase, vieux, ok. Bon, bah voilà, j'ai vieilli. Carrément, carrément, ok, let's go. Et bah écoutez, y a plus l'air d'avoir d'armée de monstres. Alors, regardez, il est plein de rides là. Eh, je préfère un petit 1v1. Je préfère un petit 1v1 en vrai. Vieux. Attends, je vais aller checker comme ce que j'ai dans ma chambre. Là, cette fois-ci, je vais essayer de vraiment à réussir ce parcours. Let's go. Ok, on va passer par là. On va réussir. T'es mort, Booba? Non, je rigole. Bon, mais tout le monde meurt dans cet épisode, c'est dope. Allez, let's go. Je vais passer par moi, par là. C'est bon, j'ai réussi, les abonnés. Je vais aller jusqu'à ma chambre. Et nous avons un arc, ok. Bon, on a un arc. Bon, ouais, pas fou. Bon, qui veut m'affronter là? Qui va affronter Moi, je suis chaud là. De toute façon, t'es vieux maintenant. Donc, vas-y, go, go, go. Minigun, au minigun, on s'affronte. Je suis nul. Vas-y, au minigun, au minigun. Vas-y, attends, on va en bas plutôt. Vas-y, je commence. Attendez, donnez-moi une pomme, moi aussi. Attends, j'essaie de sauter dans. Ok, c'était chaud ce que j'ai fait. Les abonnés, d'ailleurs, ça sera aménagé pour le prochain épisode. Ça vraiment sera aménagé, les abonnés, vous inquiétez pas pour ceux qui ont souscrit des abonnements. Hop, let's go, tac, tac. Ok, on va à l'extérieur de la villa pour faire le 1v1. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, go, 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 go. Vas-y, t'es là? J'arrive, j'arrive. Il est où, il est où? Ok, je te vois, je te vois. J'arrive, j'arrive. Attends, je mange une petite pomme avant. T'es où, t'es où? Pas une pomme shit, hein, pas une pomme shit. Eh, c'est un peu mettre des balles. Ok, c'est bon, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ok, tu me vois. Non, mais stop à mettre des balles. Il m'enlève mes deux cœurs de protection. Stop, Booba. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. T'as peur. Attendez, je suis en train de l'avoir. Je vais l'avoir. Wow, wow. Mais attends, avec le. Mais what? Avec le nombre de balles que je t'ai mis, c'est pas possible. Bon, bah, les abonnés, je suis mort contre Reason. Il m'a battu tout simplement. Bon, apparemment, les gars, il y a eu un petit peu de magouille avec Booba et Reason. Booba, j'ai gagné. Ouais, t'es sûr de ça? Oh, je sais pas. Parce que Booba, il a dit qu'il m'avait mis 2-3 balles au début. Je sais pas trop. Ah, mais aussi, mon ami, donc ça compte pas. Ok, ok, ça va, ça va. Je te laisse le bénéfice du doute. Bon, en tout cas, les abonnés, je suis mort. J'ai vécu la vie de Chase pendant 24 heures. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, le montage, etc. Je crois qu'il était pas mal aujourd'hui. Enfin, du coup, c'est cool. Donc, voilà. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, les potos, je vous aime. Et à très très vite pour une prochaine vidéo. Un grand merci aux acteurs qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait Com, il y avait Azuro, il y avait Reason et il y avait Spartax. Voilà, toutes leurs chaînes sont en description. N'hésitez pas à les checker, toutes leurs chaînes. Allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime. Et à très très vite.